Voilà la compagnie, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine. Moi ça a été, en tout cas je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Cette fois-ci il s'agit d'un tag, et c'est un tag sur la consommation. Je ne sais plus exactement sur quelle chaîne je la trouverai, j'ai dû noter ça quelque part. En tout cas si je le retrouve, je vous le mettrai dans la barre d'infos, vous inquiétez pas. Il est constitué donc de 15 questions, et à la fin de ces 15 questions, vous devriez en savoir un petit peu plus sur la manière dont je consomme les livres. Voilà, bon allez, on s'y met parce qu'on a quand même 15 questions et on ne veut pas que les vidéos durent trop longtemps. Question numéro 1, il s'agit de savoir ma fourchette de budget. Et là, il faut avouer, elle est quand même conséquente, à savoir que je dépense entre 150 et 200 euros, je pense, de bouquins par mois. Enfin, surtout dernièrement, avant, c'était beaucoup moins. Avant, je dépensais, maximum 100 euros. C'était plus dans les 50. Et depuis le mois de janvier, j'ai crevé le plafond. Et j'en suis à 150, 200 euros, à savoir que ça se mélange un peu entre l'occasion, le neuf, les précos. Et en fait, ça va très vite parce que c'est 20 balles un bouquin, 25 balles un relié. Ça va vite. Et puis, y a pas mal de sorties en début d'année. Et avant, je lisais beaucoup en numérique. Et maintenant, je lis beaucoup en papier. Donc, parce que c'est plus pratique pour les photos, pour vous montrer. Et donc, forcément, le papier, c'est quand même 3 fois plus cher que le numérique. Ce qui explique que je suis passé un budget beaucoup plus important. Après, je peux me le permettre, je suis certes pas célibataire, je suis en couple, mais on n'a pas d'enfant, mis à part un chat. Et on a quand même deux situations qui nous permettent en fait de vivre correctement, et moi d'assumer ma passion pour les livres et donc de dépenser pas mal d'argent. Donc voilà, c'est beaucoup, je le sais, mais quand on aime, on compte pas. Enfin, peut-être que je compte un peu parce que ma banquière, par contre, mon banquier, si je mets un badge à mon banquier, je crois pas qu'il sera content non plus. Hein, ça, non. Hein, déjà qu'il doit pas être content quand je dépense de trop, alors si en plus je retire son pénis, on est pas dans la merde. Enfin bref, je digresse et on passe à la question numéro 2. Et il s'agit de savoir donc comment je consomme, à savoir si je vais dans les librairies indépendantes, est-ce que je commence sur Internet, est-ce que je me déplace en grande surface et autres. Et là, je dois avouer que y a un peu de tout. Je commande beaucoup à la Fnac en ce moment, parce que pour le coup, j'ai la carte Fnac et j'ai quand même 5% de réduction quand je commande en magasin. Et vu que maintenant, en fait, je travaille en ville, c'est super simple. En fait, pour moi, le midi, en fait, je sors du boulot, j'ai une heure, j'ai la Fnac qui est pas très loin. J'en ai deux, j'en ai une à Saint-Denis-Papier, une à 15 minutes, et je ne cherche pas pourquoi je commande les bouquins à celle de 15 minutes. En vrai, c'est pas grave. Ça me fait prendre l'air, et puis pour le coup, je gagne un petit peu d'argent. Donc, je commande beaucoup à la Fnac. Je fais aussi beaucoup de précommandes sur Amazon, parce que comme ça, je suis sûr de ne pas les oublier pour tout ce qui est principalement les bookmarks, tout ce qui est bouquins indépendants et autres. Donc, ça, je commande sur Amazon. Et enfin, en grande surface, parce que généralement le week-end, si on va chez Leclerc ou chez Cora, je m'arrête toujours dans le bout, dans le rayon librairie. Et forcément, il y a toujours un ou deux bouquins qui me tapent à l'œil. Voilà. Et c'est sans oublier Cultura. J'adore Cultura. Je trouve que c'est un super magasin. Il est super bien foutu, il est super clair. On y trouve pas mal de titres qu'on ne trouve même pas à la Fnac, ou que le rayon, par exemple, le rayon romance de Cultura. Je trouve qu'il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus imposant que celui de la Fnac. Et je sais pas, je trouve que le magasin est très aéré, très lumineux, c'est agréable de s'y promener. Puis en plus, après, il y a toujours la papeterie et autres. Donc j'aime bien aussi Cultura. Donc voilà, donc c'est un mix des deux. Et pour le coup, il y a aussi Amazon, parce que j'ai l'abonnement Kindle Unlimited. Et donc c'est sur Amazon, ce truc-là. Donc voilà, donc il y a un mix entre gros groupes et Internet. J'aimerais bien avoir une librairie indépendante, mais je n'ai pas encore trouvé. Alors, il doit en avoir sur la ville où j'habite, pour le coup pour Metz. Je dois avouer que ça fait que un peu plus d'un an et demi que j'habite là. Donc, faut que je trouve mes marques et je n'ai pas encore eu le temps de bien chercher tout ça. Mais je vais m'y intéresser parce que c'est vrai que j'aimerais bien en fait pouvoir un peu délaisser un peu plus Internet et pouvoir commander directement chez un libraire indépendant. Voilà. Le problème des libraires indépendants, c'est qu'ils ne sont pas encore très, très calés sur le MM, et surtout, en fait, j'ai l'impression que des fois, en fait, c'est un peu, pas élitiste, mais ils sont plus sur les classiques et les grosses nouveautés, plutôt que les petits trucs de niche. Donc, à voir, on verra bien.
Question numéro 3, qu'est-ce qui influence mes lectures? Est-ce la couverture, le résumé, les auteurs, la maison d'édition? Et alors là, j'ai envie de dire, c'est un mix de tout. Oui, je suis tellement, tellement, tellement un mouton et je suis tellement facilement influençable en fait que tout m'influence. Par exemple, encore aujourd'hui, j'avais jusqu'à présent en fait passé à côté du Sam Burns, Meurtre et Sorcellerie, qui est sorti chez Bookmark. Et je voyais la couverture et je disais non, non, non. Et là, bah, j'ai revu la couverture et j'ai fait si, si, si. Et il est parti dans mon panier. Donc, oui, en fait, par exemple, chez Bookmark, bah, je suis beaucoup influencé par les couvertures. Des fois, on a des surprises, des bonnes surprises, des fois, on a des plus bonnes surprises. Par exemple, je me suis aussi fait influencer pour celui-là. Je sais pas si vous voyez, il s'agit de Badash, l'étincelle, le tamarin de. Notamment de Badash, Étincelle de Aïe chez PKJ, parce qu'en fait, je l'ai vu la couverture, j'ai trouvé super Pepsi, super punchy, et je me suis dit, je le veux, donc je l'ai demandé à la maison d'édition sans lire le résumé, et en fait, j'ai lu le résumé après, et je me suis dit, ah, c'est un triangle amoureux, j'aime pas ça! Bon, au final, je l'ai lu, j'ai super bien aimé, de toute façon, je vous en parle après, mais bon, généralement, ouais, en fait, la couverture me parle beaucoup. Après, il y a aussi les auteurs chouchous. Par exemple, si vous prenez les Lucy Lennox, les May Archer, les Eden Finney, les Saxon James, les Mia Carlson, MIDMC et autres. Tout ça, en fait, je réfléchis même pas. C'est comme FBST, en fait. Je réfléchis pas, en fait, pour les lire. Tout de suite, j'ai tendance, en fait, bah, je sais que je vais passer un très bon moment de lecture, donc j'achète. Et enfin, il y a le résumé, parce qu'en fait, ça arrive en troisième position, à savoir que bah, je craque pour la couverture. Et après, je lis le résumé. Mais par exemple, je fais tous les mois un tour sur Booknode et je me tape pas toutes les fiches, quoi. Donc, si la couverture ne me plaît pas, enfin, ou me tape pas dans l'œil, je vais pas aller voir le résumé. Voilà. Après, je me fais aussi influencer bah, par les gens, parce que bah, je suis des booktubeurs. Je suis quoi encore? Bah, par exemple, les aides de lecture de Madame Errance, qui me donne vachement envie. À chaque coup. Il y a Muffins and Books, à chaque coup qu'elle parle d'un fake dating, je craque, donc j'achète. Et puis, bah, il y a toutes les copines sur Bookstagram, parce que bah, il y a Brittany 71, Fabiola, tous ces gens-là, en fait, Flo, dès qu'ils me parlent, enfin, dès que je les vois parler d'un bouquin, je sais. Et puis, bah, il y a Sam, dès qu'elle me parle d'un bouquin, je sais pas, je m'enflamme et je veux le lire, tant que ouais, donc je me fais influencer par plein de choses. Voilà, je sais pas si ça répond à la question, parce qu'en fait, je suis encore digressé et parti dans tous les sens. Donc, on va passer à la question 4. La question 4, c'est mon dernier craquage. Et quand j'ai préparé la vidéo ce matin, je venais de commander le premier tome de Annabeth Albert, parce que je me suis aperçu, en fait, des hommes en uniforme, je ne sais plus comment ils s'appellent en français. Je sais qu'en anglais, c'est Out of Uniforms. Mais je sais plus comment ils s'appellent. Enfin bref, j'avais précommandé le tome 2. Qui doit arriver à la fin du mois. Et je me rappelais en fait que je n'avais pas fini le tome 1 et que je n'avais pas précommandé. Et vendredi, on a reçu un mail de Bookmark et comme quoi les frais de port étaient gratuits ce week-end, les points d'expé étaient doublés. Et je m'étais dit, non, craque pas, ton compte en banque va pas aimer. Et finalement, ce matin, bah, j'ai craqué, j'étais fatigué. Donc j'étais fragile. Hein. La fatigue, la fragilité, ça fait qu'on commande plus rapidement. Donc ça, c'était mon craquage de ce matin quand j'ai préparé ma vidéo. Sauf que, bah, comme je vous l'ai dit, j'ai craqué bah, tout à l'heure, à 5h, en me réveillant. Il faut que j'arrête de commander des trucs, de me brancher sur les boutiques quand je me réveille. Et là, pour Meurtre et Sorcellerie de Sam Burns, de Bookmark. Allez, hop, 40 balles en moins dans le compte en banque. Question 5, est-ce que j'achète plus des grands formats, des poches, du e-book, du ce que tu veux? Et bah pour le coup, j'achète beaucoup beaucoup de grands formats. Déjà parce que généralement les grands formats sortent avant les poches. Donc j'ai tendance à acheter les grands formats. En plus en ce moment, bah ils n'arrêtent pas de sortir des éditions collector avec des magnifiques reliés, avec des jaspages de folie. Donc bah, je commande. Je craque, hein. Par exemple, j'ai acheté Lightlark. Lightlark, je l'ai acheté pour la couverture. Enfin, pour l'édition, parce que l'objet livre est magnifique, mais pas pour pas spécialement pour le résumé, parce que là, je l'ai lu qu'après. Vraiment, t'es un mouton, oui, t'es un mouton, t'es un mouton, t'es un mouton. Voilà, par contre, j'achète pas mal de poches. Après, c'est par exemple pour les périodes de Noël, parce que en fait, les romances de Noël, je trouve que le format poche est très adapté, parce que bah, c'est un peu comme les téléfilms de Noël, en fait, c'est des choses que tu consommes en masse.
Et je sais pas, et je trouve que le format poche s'adapte très bien aux romances de Noël. Donc toutes mes romances de Noël, généralement, de toute façon, elles sortent quasiment toutes en romances de Noël, hein, que ce soit chez Harlequin ou chez Hugo, principalement, ils sortent, il n'y a que Collection A, je crois, qui sortent des grands formats. Et Charleston et tout ça. Mais sinon, il y a beaucoup de poches. Donc c'est vrai qu'à Noël, c'est pas mal de poches. Et puis, donc ouais, c'est tout. Sinon, quand je regarde ma palle, dernièrement, j'achetais que des grands formats et principalement des reliés, hein, quand ils sortent. Parce qu'en fait, le grand format, bah, je trouve qu'il est plus pratique à tenir. Et en même temps, le relié, il est génial quand tu lis dans ton lit. Parce qu'en fait, il casse pas la couverture, il se dépose bien. Et en fait, tu peux le poser comme ça, tu as l'impression que tu fais de la méditation. C'est que tu es en train de. Tu as un peu les sœurs Halliwell dans Charmed et tu vas lire un grimoire. Mais c'est super agréable à lire. Voilà, ton grand format. Question 6, qu'est-ce que je fais des livres que j'ai lus ou que j'ai pas lus? Alors, les livres que j'ai pas lus, il y en a beaucoup, ça va dans la palle, qui est juste là-bas. Je vous l'ai montré dans le vlog, je vous l'ai souvent montré en story. J'ai 3 billes avec que des livres que j'ai pas lus. Voilà. Et puis, bah, de toute façon, bah, vous avez ça, c'est le manga que j'ai pas lu, donc comme vous pouvez voir, ça va dans les étagères. Les livres que j'ai lus, ils vont aussi dans les étagères parce que bah, je suis un dragon, j'ai besoin d'avoir mon petit trésor de guerre. Et je garde, je garde, je garde, j'entasse, j'entasse, j'entasse. Et plus j'en ai, et plus je me sens bien. Il y a un petit côté, je trouve, réconfortant en fait. En plus, j'ai fait une espèce de tube, je suis entouré de bouquins de partout. Et ouais, il y a un côté réconfortant, il y a un petit côté cocooning, et je me sens bien autour de mes livres. Donc je les garde. Et exceptionnellement, de temps en temps, vraiment rarement, je vends sur Vinted. Mais ça, c'est par craquage, par zone. Par exemple, bah là, vous voyez, il n'y a plus qu'une petite bibliothèque de manga. Parce qu'avant, j'avais une grande bibliothèque qui allait jusqu'au plafond avec plein de mangas. Et je me suis aperçu en fait qu'il y avait plein de séries que je n'allais pas terminer et autres. Donc, j'ai fait une vente en masse en occasion. Un gros book and haul, comme on dit. Mais généralement, je garde. Je garde beaucoup. Parce que, comme je l'ai dit, il y a un côté réconfortant. Et j'aime bien. Question 7, est-ce que je me fais influencer par des avis? Et là, je vous l'ai répondu dans la question numéro 3, 4, 2, je ne sais plus. Oui, je me fais influencer, c'est obligé. Je suis tellement de gens, en fait, sur Booksta, sur Booktube, que éventuellement, en fait, quand tu as la passion du livre et que tu suis des gens qui ont aussi la même passion, t'as tendance à vraiment être très influencé. Alors avant, j'avais que Booksta. Et Booksta, en fait, c'est vrai que c'est principalement de la photo. Donc en fait, tu ressens moins en fait l'émotion. Mais en fait, là, cette année, je me suis beaucoup mis sur Booktube depuis que je suis. Et je suis beaucoup plus jeune. En fait, je suis Mufsin Books, comme je l'ai dit. Madame Iran, je le redis encore. Il y a un rêve de lectrice, je ne sais plus quoi. Enfin, il y a pas mal de booktubeuses que je suis. Et en fait, quand tu les regardes parler de bouquins, ouais, non, ça te donne envie. C'est comme sur Booksta en story, quand tu regardes les story team, en fait, qui te parlent en story de toutes ces sorties. Enfin, toutes ces lectures, je veux dire, pas sorties, je ne crois pas qu'elle écrit. Mais en fait, elle te transmet l'émotion, en fait. Et puis après, tu parles avec elle et tu te dis, putain, celui-là, il le faut, il le faut. Et même si c'est des livres qui te sortent de ta zone de confort, en fait, t'as envie de te transmettre l'émotion, quoi. Donc, ouais, je me fais super influencer et c'est comme ça que j'achète. En ce moment, principalement. Et si vous avez suivi mes craquages de début d'année, eh ben, vous avez par exemple que Mufsin Book, à cause d'elle, j'ai acheté plein de fake dating. Parce que je me suis fait influencer. Voilà. Je vous l'ai dit, hein, c'est écrit mouton quasiment. Question 8, plutôt neuf ou plutôt occasion? Et là, c'est pareil, c'est un mix des deux. Les nouveautés, j'ai tendance à les acheter en neuf. Et avant, j'achetais pas beaucoup en bouquin d'occasion parce que TAG, anxiété, angoisse, ce que tu veux, j'osais pas aller acheter des gens, j'osais pas négocier les prix. Et surtout, en fait, des fois, je faisais le comparatif. Et en fait, les gens, bah, tu t'aperçois en fait que, surtout pour les poches, quand tu mets le prix de l'occasion, parce que tu comprends que les gens vont pas le prendre à perte, le bouquin. Et que tu rajoutes tes frais de port, bah, tu l'as quasiment pour le prix du neuf. Et en fait, bah, je ne sais pas ce que j'ai eu, parce qu'en plus, j'étais en plein craquage, en fait. Mais en fait, c'est devenu un peu une safe place, un moment de. J'arrive à contrôler mes angoisses et à faire passer les crises d'angoisse. Et en fait, je négociais
les prix sur Vinted. C'est pour ça que j'ai fait des gros craquages en janvier, février et un peu mars, parce qu'en fait, j'ai pris ce goût, pas ce goût de la négociation, mais en fait, ça a un côté très. Bah, ça me calme, parce qu'en fait, je crois que je dois mettre tellement d'énergie, de force là-dedans d'aller négocier que bah, ça me fait penser à rien d'autre. Et donc, c'est pour ça que j'achète pas mal sur Vinted en ce moment. Donc voilà, donc je dirais que c'est un mix des deux parce que j'aime acheter du neuf et en même temps j'aime bien agrandir ma palle avec des occasions parce que des fois on trouve des petites perles. Je vous l'ai dit, je sais plus dans quelle vidéo, j'ai trouvé les 4 premiers tomes de Mortal Instruments pour 20 balles quoi, sérieux, 20 balles quoi. La dernière fois je voulais découvrir Vikiland et Penelope Ward et il y avait une vendeuse qui faisait un lot de 4 brochettes de chez Hugo New Romance à 20 balles. J'ai réussi à les négocier, je les ai eu je crois à 17 ou 18 francs, à 18 euros. Ça m'a fait 22 euros les prix des 4 brochets, c'est même pas le prix d'un brochet. Donc ouais, des fois, on fait vraiment des belles surprises sur Vinted. Donc un mix des deux. Question 9, est-ce que j'achète pour lire dans l'immédiat, tout de suite, ou est-ce que j'achète pour lire plus tard? Alors là, la bonne blague. La bonne blague. Je crois que, ah, je vous l'aurais dit, mes étagères se portent très mieux. Mon compte en banque se porte très mieux. Mon banquier se porte très mieux. Mon copain se porte très mieux. Si je n'achetais pas en fait pour acheter. Parce qu'en fait, j'achète, j'en mâche, j'en fous partout, j'en fous dans les bibliothèques, j'en fous dans la table de chevet, j'en fous au salon, j'en fous partout. Et je lis quand j'ai le temps. Et alors, quand je vais en salon, laisser tomber, c'est une cata, c'est une cata, c'est une catastrophe. Donc, oui, je. Et puis, pourquoi on achète des livres pour les lire après tout? Alors, la question 10, c'est une question pour les sagas, à savoir, est-ce que j'achète et je lis au fur et à mesure, ou est-ce que j'attends d'avoir toute la saga pour tout lire? Et là, eh ben, moi, personnellement, c'est mon parti pris. Dans tous les cas, j'achète au fur et à mesure. Ça m'arrive de ne pas lire au fur et à mesure, de les stocker pour lire plus tard, en masse, mais dans tous les cas, je l'achète au fur et à mesure. Pourquoi? Eh ben, parce que, faut pas oublier, la lecture, ça peut être un plaisir pour nous, c'est du commerce. Et bah, par exemple, quand on prenait des séries, les maisons d'édition, en fait, c'est rare qu'elles valident une commande, enfin qu'elles vendent à perte. Donc en gros, si personne n'achète les bouquins parce que tout le monde veut attendre d'avoir toutes les tomes de sortie pour acheter les bouquins, bah malheureusement, en fait, les ventes, elles sont dégueulasses et les maisons d'édition, elles finissent par arrêter les séries avant d'avoir fini la série. Alors, bah, c'est perdant. Et puis, bah. Quand vous lisez des auto-édités, bah les auto-édités, ils vivent de ça. Hein. Les auteurs, ça en mange parce que bah, vous achetez leurs livres. Donc si vous attendez des fois 5, 6 ans, 2, 3, 4, je ne sais pas, pour acheter des bouquins et les lire, eh ben, ça veut dire que bah, pendant X années, l'auteur, il touche rien. Donc forcément, bah, il va finir par faire caissier, quoi. Parce que moi, chez caissier, enfin, chez Carrefour, il gagne des sous. Question numéro 11, est-ce que j'ai une maison d'édition ou des auteurs chouchous? Alors, pour les maisons d'édition, pas tellement. Parce que je suis pas attaché à la maison d'édition. La maison d'édition, il y en a certains dont je respecte le travail, il y en a certains je trouve qu'ils ont du très bon travail, il y en a certains je trouve qu'ils ont une magnifique ligne éditoriale. Et donc voilà, donc je suis pas attaché. Mais alors, par contre, les auteurs, bah, vous le savez, hein, il y a Lucy Lennox, Mayer Chen, Ken Loyal, Hélène Vinet, Saxon James, déjà en américain. Puis je vous l'ai dit, il y a Carlson, il y a Mayer Chen, il y a Eve, il y en a plein. Et donc, oui, c'est des auteurs chouchous. Voilà, donc ça, j'en ai une tonne. Et là, c'est quasiment du one-click. Hein. Elle sort, j'achète, elle sort, j'achète, elle sort, j'achète. Et les Billy, bah, elles sont tâches, elles sont tâches, elles sont tâches. Et mon chéri commence à en avoir marre de monter les Billy. Parce que bah, c'est lui qui les monte, c'est pas moi. Bah oui, hein. C'est un peu l'homme de la maison. Hein. Ah, allez pas croire que je fais la femme. Ah non, 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 pas de stéréotypes comme ça, de la femme, de l'homme, de ceci, de cela dans les couples homosexuels. Mais c'est juste que bah, il y a un côté. Il y a un côté voyeur, vous voyez, j'aime bien le voir travailler, le voir construire, voir ses muscles qui se ferment. Voilà. Voilà, en plus, des fois, il le fait torse nu, et moi, ça me. Voilà. Donc, c'est pour ça que je lui fais construire les maisons des les Billy. Et je transgresse encore. Donc, on passe à la prochaine question.
Alors, question 12, c'est à savoir, est-ce que je préfère les nouveautés ou les livres anciens? Et alors là, eh ben, il y a pas des deux. Les nouveautés, parce que pour les auteurs chouchous, je vous l'ai dit, c'est du one click, j'achète, je réfléchis pas. Pour certaines maisons d'édition, je trouve les nouveautés, parce que je suis l'actualité, hein, que ce soit sur BookTube, sur Bookstart. Donc forcément, puis je suis des auteurs sur Instagram, donc quand ils me parlent de leurs nouveautés, ça me donne envie de les lire. Donc forcément, nouveauté. Après, et pareil, quand on découvre des auteurs chouchous, des nouveaux, on lit leurs anciens livres, si on ne les a pas découverts préalablement. Et après, quand on suit encore des bookstas, par exemple, encore avec mon flight dating, je vous le dis, j'ai découvert des petites perles qui étaient sorties il y a longtemps. Donc j'ai des livres anciens. Et puis, comme moi, avant, quand on était 100% MM et qu'on passe avec un mix de différentes lectures, en fait, on découvre plein de petites merveilles. Donc, ce qui fait que depuis cette année, mes lectures, c'est un mix de nouveautés, d'anciens et même vraiment des trucs que je vais chercher dans la biologie. Voilà. Et enfin, dernière question, à savoir, est-ce que ma palle est un frein à mes achats? Et là, non, sinon, j'aurais pas des actions chez IKEA. J'en ai pas, hein, mais c'est l'idée. Non, non, franchement, j'adore acheter des bouquins, c'est mon petit guilty pleasure, c'est ça et Apple. Hein, parce que j'ai oublié de vous le dire, mais un de mes gros craquages, c'est le MacBook. Hein, voilà. Mais principalement, non, j'ai pas de frein du tout, du tout, du tout, du tout. Pour la balle. Voilà. J'achète. Je suis un bijou. Un mouton. Voilà. Eh bien, écoutez, les amis, cette vidéo se termine. C'était pas 15 questions, c'était 13 questions. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a permis d'en savoir un petit peu plus sur moi, sur mes habitudes de consommation. Je vous mettrai les questions dans la barre d'infos. Puis je vous les mettrai aussi sur Instagram. Et vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes les questions, mais s'il y a des questions sur lesquelles vous voulez intervenir, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. En fait, j'aimerais bien en savoir un petit peu plus aussi sur vous. Parce que principalement. Je suis là pour vous, enfin pour vous, pour échanger avec vous. Et j'ai envie d'en savoir aussi un peu plus sur vous. Parce que je trouve que c'est ça la magie de BookTube et la magie de Bookstar, c'est de pouvoir créer des amitiés, créer des liens, échanger. Donc je trouve que ces tags, c'est les moments parfaits en fait pour découvrir de nouvelles personnes et créer des alchimies, créer des liens. Donc n'hésitez pas à répondre, pas forcément à toutes les questions comme je vous dis, parce que je comprends que vous n'avez pas envie de passer 3 plombes à répondre aux 13 questions, mais peut-être une ou deux comme ça que vous prenez au pif. En tout cas, encore une fois, c'était un plaisir de tourner cette vidéo. Moi, je vous retrouve mercredi. Je suis un peu paumé parce que j'ai enregistré plein de vidéos en même temps. Et on parlera des sorties livresques du mois de mai 2023. Donc voilà, donc je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.